a 10 ans, il se passait ça. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure. Yahoo down 8.5%. Cisco 6.5%. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Selon ce monsieur, la crise des subprimes aurait pu terminer comme la Grande Dépression de 1929, c'est-à-dire un effondrement de la finance mondiale et un désastre économique et social. Alors, que s'est-il passé? Et puis d'abord, c'est quoi un subprime? Eh bien, lorsque vous achetez une maison, la plupart du temps, vous demandez à une banque de vous prêter une somme d'argent. En échange, tous les mois, vous remboursez une partie de cet argent plus des intérêts. Et quand vous ne pouvez plus rembourser, cela s'appelle un défaut de paiement. Si le risque que vous fassiez défaut est faible, les Américains appellent cela un prime. Mais s'il est réaliste de penser que vous pouvez faire défaut, parce que vous êtes dans une situation de précarité professionnelle par exemple, les Américains appellent cela un subprime, c'est-à-dire un emprunt risqué. Mais au début des années 2000, le subprime va devenir très populaire, et ce, pour au moins deux raisons. Tout d'abord parce qu'à ce moment-là, pour tout un tas de facteurs que l'on n'a pas le temps d'expliquer ici, les taux d'intérêt sont très bas. Or, les taux d'intérêt en économie, c'est tout simplement ce qui permet aux investisseurs de gagner de l'argent. Du coup, à cause de ces taux bas, le bon vieux bon du trésor par exemple, qui consiste à racheter une part de la dette d'un État, ne rapporte presque plus rien. Et comme les investisseurs aiment bien gagner de l'argent, ils vont commencer à en chercher ailleurs. Comme par exemple, dans le secteur de l'immobilier américain. Let's make some money, what do you say? C'est la deuxième explication. Tout porte à croire que l'immobilier, justement, est le nouvel Eldorado des investisseurs. Les politiques d'une part, qui incitent les ménages à acheter une maison et les banques à leur prêter de l'argent, et d'autre part, le sentiment qu'investir de l'argent dans l'immobilier, ça ne présente aucun risque. Well, their mortgages. Who the hell doesn't pay their mortgage? Ce sentiment est en plus renforcé par le système de l'hypothèque. L'hypothèque, c'est un document donné par les gens qui empruntent de l'argent et qui dit, en gros, que s'ils arrêtent de rembourser, leur maison sera saisie puis revendue par leurs créanciers. Résultat, dans les années 2000, tout le monde se jette sur l'immobilier. D'accord, mais alors, comment les investisseurs ont-ils fait pour investir le marché de l'immobilier? Vous avez peut-être vaguement entendu parler de mots un peu obscurs comme CDO ou swaps. Mais le plus important pour comprendre la crise, c'est le mot titrisation. Concrètement, cela veut dire que l'on transforme les créances des banques en titres, c'est-à-dire en objets virtuels qui a de la valeur sur le marché financier. Les créances immobilières, qui avant appartenaient aux banques, deviennent donc la propriété des investisseurs sous la forme de titres. Mais la demande pour ces titres devient tellement forte que les banques sont obligées d'en créer plus. Or, pour en créer plus, elles doivent prêter davantage. Et pour prêter davantage, elles ont recours à des prêts de plus en plus risqués, les subprimes. Mais tu sais pas ce que j'ai fait hier? J'ai investi dans l'immobilier. Ah ouais, ça rapporte ça? Attends, tu rigoles. T'as entendu parler des subprimes? C'est le truc que les banques elles vendent en ce moment. Les prix arrêtent pas de monter, ça rapporte des sommes de malade. Mais c'est pas un peu risqué? Parce que le problème avec les pauvres, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'arrêtent de rembourser, non? Non, justement, c'est ça le truc. S'ils arrêtent de rembourser, leurs maisons, elles sont hypothéquées, on les revend, et du coup, on perd rien du tout. Ouais, c'est pas con. Et en plus de ça, j'ai pris une assurance, donc il y a genre zéro risque. La semaine dernière, je crois que je me suis fait un truc comme 25 millions. Combien? 25 millions. Et il en resterait pas un peu à vendre à ton banquier? Pendant plusieurs années, les investisseurs spéculent et gagnent beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. Et comme la demande augmente, les prix, eux, grimpent très vite. Trop vite. C'est ce qu'on appelle une bulle spéculative. Or, il y a une chose que toutes les bulles ont en commun, elles éclatent. Mi-2006, le nombre de défauts de paiement commence à augmenter. Au début, personne ne panique, puisqu'il suffit de revendre tous ses biens immobiliers. Sauf que les subprimes pèsent alors 600 milliards de dollars, soit un quart du total des crédits distribués aux États-Unis. Cela fait vraiment beaucoup de nouvelles maisons à vendre, et comme les prix sont très hauts, plus personne n'est là pour les acheter. Dès lors, les investisseurs arrêtent d'acheter des créances immobilières, et les banques se retrouvent coincées avec des crédits que plus personne ne rembourse. Dès 2007, plusieurs annoncent qu'elles sont en faillite. Les investisseurs, eux, qui avaient misé beaucoup d'argent, se mettent à tout perdre. Sans oublier les traders, qui s'étaient mis à parier massivement sur la valeur de tous ces titres. La suite, tout le monde la connaît. Septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des banques d'investissement les plus vieilles et les plus puissantes au monde, déclare qu'elle est en faillite. Octobre, les États-Unis annoncent un plan de sauvetage du système financier américain. Dans les mois qui suivent, la crise devient mondiale. Les États dépensent des centaines de milliards de dollars
pour sauver leur banque et l'économie. Alors, 10 ans plus tard, une telle crise pourrait-elle se reproduire? Eh bien, aux États-Unis comme en Europe, un certain nombre de règles ont été mises en place pour l'éviter. Désormais, les banques sont soumises à plus de transparence, mais surtout, elles doivent posséder des fonds propres beaucoup plus importants qu'avant. Car c'est là, au fond, que réside la véritable explication de la crise. À force de spéculer, c'est-à-dire de gagner de l'argent avec de l'argent, les investisseurs et les banques ont déconnecté le marché de l'économie réelle. Le problème, c'est que ça peut se reproduire. Les subprimes et le marché immobilier sont en fait le contexte de la crise, et non la cause. Mais les pratiques qui en sont à l'origine, elles, sont toujours là. Si les banques ont été régulées, les fonds d'investissement, eux, se sont beaucoup plus librement développés depuis 2007. Et au passage, ils ont récupéré certaines anciennes activités des banques. Or aujourd'hui, cette finance de l'ombre, comme l'appellent les économistes, pèserait environ 150% du PIB des États concernés. C'est plus que le niveau atteint à la veille de la crise des subprimes.